Bienvenue sur Chris and Cree, nouveau vlog, c'est parti! Salut, moi c'est Chrislaine, j'ai 20 ans et je vais une chaîne de vlog sur la perte de bois. De bois, de poids essentiellement. Et je me suis dit qu'il serait temps que je commence le vlog. Donc on est lundi 30 novembre, il est 14h14. Et voilà. Ensuite, je dois poster le bilan que j'ai oublié de poster hier, le bilan sur Instagram de la semaine. Normalement, je dis, bah ouais, vous aurez vu le bilan du mois de novembre. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le mets dans le i juste ici. Et on va entamer le mois de décembre, les gars. Demain, là, c'est le premier, ça y est. Tout à l'heure, je suis partie avec la petite que je garde à la gare pour recharger mon pass Navigo. Pardon. Mais la gare était toujours fermée. Ce matin, j'étais allée, c'était fermé. Donc c'est relou. J'irai à la gare à côté de chez moi, du coup. Depuis décembre 2019, je recharge toujours, presque toujours mon Navigo au dernier moment. Parce qu'avec les grèves et tout, j'étais bien contente de ne pas avoir rechargé. Après, il y a plein de petits trucs qui font que des fois, j'ai pu recharger mon Navigo aussi en avance que d'habitude. Parce que si tu recharges en avance, qu'au final, il se passe, je sais pas moi, quelque chose, un confinement par exemple, ou une grève, ou un arrêt de maladie. Bref, 2019, c'était l'année, voilà. Donc, j'ai plus cette habitude de recharger en avance. Et du coup, là, je suis un peu en galère. Voilà pour ça, et puis c'est tout. Là, je vais regarder un dessin animé qui s'appelle Close, je crois que c'est comme ça que ça se dit. J'ai vu ça dans la story d'une connaissance à moi, bref, une connaissance. Et vu que je savais pas quoi regarder, je vais regarder, et il a dit que c'était le meilleur dessin animé de Noël qu'il ait regardé. Donc, je vais voir, mais il a l'air pas mal, c'est vrai. Donc je vais regarder ça pendant que la petite est à la sieste. Et ce soir, je vais faire un gratin de pâtes pour les petits, la maman et le papa et tout. Parce que j'ai vu, ils avaient fait des pâtes et tout. Du coup, je leur ai dit, vas-y, je vais faire ça. Moi, je vais manger avec un cordon bleu, les petits avec du poisson pané, eux avec du roast beef. Ouais, on finit ce qui est déjà commencé. Parce que moi, je suis comme ça, hein, je finis ce qu'il y a déjà et tout. Donc bon, c'est bien aussi, c'est une bonne habitude que j'ai. Et voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus tard ou à demain. Hey yo, j'ai des choses à vous dire tout à l'heure, enfin des choses, une chose, je souris sous mon masque. Hola, du coup je vous ai pas pris hier, j'ai fini ma journée assez tard, donc voilà, et aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à avoir le petit déclic au niveau du poids. Comme vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo du bilan du mois de novembre, j'étais bloquée à 101,6 et là le petit déclic là, 101,7 ce matin, oh, j'ai vu ça, je te jure, je suis montée en plus, je sais pas, dans ma tête j'étais là en mode allez, on se repèse parce que je me pèse tous les matins et ça me détruit pas le moral, ça m'en fout. Ça va comme ça, après j'ai une belle courbe, tu vois, avec toutes les galères et tout. Et là j'ai vu ça et j'étais là en mode. Et du coup, je vous ai fait des stories sur Instagram. Assez drôle. Donc, c'était une bonne nouvelle. Et le mois de décembre commence bien. J'espère que vous aussi, ça va bien se passer. Et j'espère aussi que ça va aller niveau poids, etc. Avec mon anniversaire, les Noël, les jours de l'an, le déconfinement. Je vais revoir mes potes et tout. Mais on va essayer de rester safe. Et ça devrait aller. Et de toute façon, vous verrez ça dans la série prochaine vlog. Donc, je suis de très bonne humeur. Yo. Je voulais vous dire que... Attendez. Je viens de capter, oui et non. Mais je viens de réaliser, on va dire, que là, ça va être décembre. Et qu'il y aura les vlogmas sur beaucoup de chaînes que je suis. Et que je vais être à la ramasse ou alors... YouTube. C'est la période où je crois que je suis le plus YouTube parce que
Déjà, je regarde Jubaby, qui sort de base toute l'année des vidéos. Je regarde les vlogs d'Enjoy Phoenix Marie, là. Je regarde quoi encore? Je regarde qui fait des vlogmas encore? Ah oui, Caroline. Elle fait des vlogmas. En fait, ça va, je crois qu'il n'y a que ça. Bon, après, il y en a d'autres qui font des vlogmas, mais pas tous les jours, tu vois. Ils font un autre format. Genre des vibrations, Laura Glamour, je la regarde un peu aussi. Et c'est déjà beaucoup, tout ça par jour, plus les vidéos d'Hugo Décrypte. Et après, plus les autres personnes qui continuent à mettre des vidéos, tu sais, une à deux fois par semaine, ou voilà, deux à trois fois par semaine, ça dépend. Donc là, je sais pas vous, mais moi, ça va être chargé. Mais c'est sympa, j'aime bien quand même cette période. Nous, on va mettre le sapin, je crois, demain, apparemment. J'ai toujours pas de calendrier de l'Avent. Moi, je veux des chocolats cette année. Ah, mais non, comment j'ai pu oublier? Il y a aussi Frédéric Jean, c'est un prof de physique et ça tourne autour de la nourriture. C'est pas des vlogmas, c'est calendrier de l'Avent, tu vois. Avec chaque jour, bref, il se lance des défis et tout. Tu sais jamais trop à quoi t'attendre, mais c'est super sympa. Et il est trop marrant. Moi, il me fait trop rigoler. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait Crazy Sally qui allait en faire. Accès, non pas accès, justement, c'est pas accès que cheveux, il y aura cheveux, plein de trucs sympas qu'on va découvrir au fil du mois de décembre. Bon courage à nous, pour tout suivre. Je suis comme vraiment dans l'obscurité. Je me rendais pas compte, désolée. Mais bon, l'important, c'est d'avoir entendu ce que j'ai dit. Oh là, on est le 2 décembre, il est 10h03. Je suis levée déjà depuis un petit moment. J'ai fait j'ai petit déjeuner et tout. J'ai fait un appel visio avec mon neveu et ma soeur. C'était bien sympathique. Aujourd'hui, je vais essayer de faire à manger pour qu'ils aient de quoi manger pour la fin de la semaine là. Et avec ce qui reste, je pense faire deux tartes. Une tarte à la tomate, une tarte au poireau. Je pense. Et avec les fonds de placard, quoi qu'il reste, c'est ce que je peux faire. Et donc voilà. Donc voilà. Ça s'annonce aller une journée cool, j'espère. Et c'est parti. Wow. Je m'améliore tellement en tarte maison maintenant. Là, c'est la tarte au poireau. Là, on a pour faire la tarte à la tomate. Oh là, putain. Et là, les pâtes. Vos concentrés de tomates que vous retrouverez en IGTV sur Instagram. Normalement, elle sera déjà publiée d'ici là. Vu que j'en ai vendredi. Hop. On va transvaser puisque j'ai qu'un moule à tarte et mon four, c'est pas le meilleur des fours. Ouais. Bon, vous excuserez un peu le désordre, il faut que je range, mais franchement, j'ai pas le temps, j'ai la flemme aussi. Et un peu légèrement bordélique. J'ai reçu un colis. Je sais déjà il y a quoi dedans parce que j'ai commandé qu'une seule chose. Et ça vient de chez Sika Cosmétiques. D'ailleurs, j'ai mis le trépied super haut et je suis assise sur une chaise. Ça n'est jamais arrivé que je filme assise sur une chaise. Et c'est plus confortable que le sol, je ne vais pas mentir. Le peigne en bois d'ébène. Donc j'en avais déjà un, mais je l'ai perdu parce qu'à force de le prêter, ben il s'est égaré. Et là j'en ai un autre, c'est fait main. Et sur chaque peigne, c'est toujours différent. Il n'y a jamais, tu sais, le même manche. Mais sinon, c'est la même chose. Et lui aussi, je l'aime bien. Si je retrouve l'ancien,
Ou même dans d'autres vidéos que je parlais cheveux, vous verrez. Mais il est trop beau. Je suis contente. Je suis trop contente. Comme je vous disais, chaque manche est unique. Et regardez ici, il y a quoi? Je l'avais pas vu. Est-ce que vous reconnaissez le ce qui a été comment sculpté, on va dire? Mettez-moi ça dans les commentaires. Normalement, vous avez l'œil. C'est pas difficile. L'image est assez nette. Voilà, dites-moi. Merci. Ensuite, je me suis penchée sur la vidéo qui est sortie jeudi, à peaufiner les petits détails avant de la programmer. Et j'ai pu enfin faire ma séance de la Just Dance, du coup, 2 que j'ai. Et franchement, je kiffe faire ça. Ça défoule, ça travaille la mémoire, la coordination, bref, plein de trucs. Je les poste après sur Insta et sur Snapchat. Donc si ça vous dit d'aller voir avec le son original, n'hésitez pas, ça me ferait bien plaisir qu'on soit un peu plus nombreux aussi là-bas. Et puis après, c'est d'autres détails aussi de la petite vie. Donc j'avoue que là, je parle pour laisser durer les images. J'aime trop, trop cette chanson. Et c'est reparti, on prend les mêmes et on recommence. Je passe ma vie dans le train, littéralement. Oh. Elle est dégueulasse ta balle. Allez, vas-y. Alors, omelette, pommes de terre avec plein d'épices, du steak haché et pareil pour la petite. Ouh, c'est bon. T'as fait une belle sieste? Allez, viens, on y va. Oula. Oh. T'attends que je parte pour me lancer ta balle. Bye bye. Ravioli et haricots verts. Coucou. Oh là là, la fin de semaine est compliquée, les gars. Je vous jure. Là, je rentre dans une routine et après, je suis claqué et tout, enfin bref, et je vous avais vu, je vous ai filmé le chien et tout, il est trop mignon, le chien il est trop mignon, tu vois, le matin et tout, il est dans son jardin du coup, et tout le temps quand il voit des gens passer, il lance sa balle, on commence à prendre un peu l'habitude et tout, à lui relancer la balle et tout, mais moi je le fais que une fois, parce que si je commence à lui faire plusieurs fois, déjà de une, je vais arriver à la bourre. Et après, il doit être tout triste, mais bon, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, c'est mignon, il relance la balle et tout. Et après, il est content et tout, c'est trop mims. Et voilà. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai commencé la série Elite. Je crois que ça fait longtemps que tout le monde regarde Elite et tout, et moi, comme d'hab à la bourre, des fous. Bon, c'est comme la Casa des Papel, tu vois, c'est pas mon genre de truc. Et après, Elite, franchement, je me suis jamais penchée dessus et ça va, c'est pas mal. Je suis à la saison 2, épisode 4. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez déjà regardé, mais elle est bien. Ça va. Je vais pas dire que c'est la meilleure série que j'ai jamais regardée, mais elle est bien, elle est regardable. Et voilà. Comme je disais, la petite elle est à la sieste et là je regarde Elite et ouais, c'est ah non, j'ai dit quoi moi? Ouais, saison 2, épisode 4. Et d'abord, je vais commencer un peu le montage de ce que je vous ai filmé depuis quelques jours. Et j'espère pouvoir la poster samedi, enfin demain quoi.
Ouais, on va essayer de faire ça. Mange. Drake. Monte ton sac. Ça sent tellement bon. En plus, tu sais, j'y avais pensé. Ah ouais? Je te jure, j'étais au taf, j'étais là en mode putain, j'ai envie de manger dehors quand même un petit peu et tout. Et j'étais là, je réfléchissais et tout. Après, maman m'envoie un message, elle me dit on mange dehors. On rentre vite. Action. Là, attends, mais. Mon bébé. Voilà, on est le 5 décembre. Il est 9h46. Je suis éclatée. Ce matin, j'ai galéré à me lever. Je suis dans le gaz là. Le cours va bientôt commencer. J'ai zéro mochi. J'ai même pas mangé alors que j'ai la dalle. De toute façon, j'ai plus le temps de manger. Sinon, après, j'aime pas m'entraîner quand j'ai quelque chose dans le ventre. Sinon, c'est pas agréable. Et tout. En plus, là, j'ai cours de body combat, ensuite, j'ai cours de step. Ça va bien se passer. Je jure, j'ai fini trop tard cette semaine et il y a trop de. J'avais pas envie de me lever. Le réveil il a sonné, je fais putain, sérieux. Enfin bref. Donc je vais aller faire mon sport et on va essayer de te donner au max que je peux parce que là, j'ai pas envie. Hein. Mais il faut. Et j'espère aussi qu'à la fin je vais pas être saoulée et que ça va me mettre dans un meilleur mood que je suis actuellement. Mais en général, ça me fait du bien. Mais là, bon, ouais, je vais essayer d'améliorer mon état d'esprit et toujours être dans le dépassement de soi et avoir des performances plutôt correctes. Et voilà. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Hein. Il est 11h30 là. Il n'y a pas eu cours. Je ne sais pas pourquoi. J'étais connectée, mais je ne sais pas si j'ai loupé une information ou quoi. Mais ça m'a gonflé parce que déjà j'avais envie de dormir. Et bref, c'était pas ma journée. Enfin, ma journée, ma matinée, on va dire. Bref, plein de petits trucs après qui s'enchaînent et qui me saoulent. Alors, du coup, je mets la musique. Et je nettoie mon frigo puisque c'était sur mes trucs à faire aujourd'hui. Je nettoie mon frigo. Je rigole de mes petits malheurs parce que après, il y a eu des petits trucs vite fait mais qui m'ont saoulé. Je ferai mon sport du coup plus tard. Toute seule, je pense que je jouais à Just Dance, hein, je pense. Sinon, il y avait une vidéo de danse et tout que j'avais trouvé en suggestion sur YouTube et tout. Et donc, je sais pas si j'aurais envie de faire ça ou quoi. Voilà. Et je crois qu'il y avait la police. C'est pas la police. Bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? En tout cas, bref, je sais même plus ce que je voulais dire, mais j'ai commencé aussi mon bullet journal hier, c'était cool, c'était sympa et tout. Vous avez vu l'intro, elle est sympa. Bon, j'aime bien, j'avais envie de faire un petit truc Noël et tout, cette année, vu que ce que j'ai pas fait auparavant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle sera publiée normalement dans la journée, je dois terminer le montage. Vous saurez. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.